qui va finir le jeu? C'est Bibi, c'est Bibi. Qui c'est qui va finir le jeu? C'est Bibi. Voilà. Alors je fais plus partie du serment des ténèbres. Je me suis permis d'aller me faire le serment de solaire. En hommage au Praise the Sun. Quelle merveilleuse emote. Le meilleur personnage, le meilleur serment du jeu. Voilà, très clairement. Nous nous retrouvons donc ici pour finir le jeu, et comme d'habitude il y a des gens qui viennent nous emmerder. Il faut l'anneau du roi pour pouvoir accéder au dernier truc, donc c'est pour ça que ça s'ouvrait pas ici. Équipez-vous de l'anneau du roi, voilà. Du coup à la place de... Attends, il est où l'anneau du roi? Il est là. Merde, c'était quel anneau que j'avais là? Je sais plus quel était le... anneau de serment des héritiers solaires. Ah, si tu progressivement des PV... Je me souviens plus de l'anneau que je portais ici. Merde. Ah oui, c'était l'anneau de Chlorancy. Voilà. Ah, tiens, la copine. Ah, elle s'est décapuchonnée. Mon voyage est déjà touché à son terme. Je me nomme Shanalot. Le dragon m'a ainsi prénommé car je suis né sans nom. J'ai été conçu par les dragons, sous la contrainte des hommes. Mes hommes capables de tromper la destinée elle-même, ce sont eux qui m'ont donné la vie. Mais l'expérience fut un échec. Je ne répondais pas à leurs attentes. Nul ne joue avec le destin et les hommes furent maudits une nouvelle fois. Si vous continuez sur cette voie, Nashandra vous pourchassera. Sachant que vous allez vous emparer du trône et entretenir le feu. Elle convoque la première flamme et la grande âme. Éliminez Nashandra. Éliminons Nashandra. Pourquoi il y a autant de morts ici? Donc nous voici donc pour la trône du désir. Il s'agit de la dernière zone du jeu. Alors c'est pas la dernière vidéo, parce que je ferai à mon avis j'ai décidé de faire les zones optionnelles. Et je me dis quitte à faire le truc à fond, autant le faire complètement. Je vais aussi faire les DLC. Le problème c'est que voilà, vous l'avez vu, les DLC, il y avait plein de zones. Et je n'avais pas accès à tout parce qu'en fait je n'ai pas les items. Et d'après ce que j'ai pu comprendre en me renseignant sur le net, je n'aurai accès aux DLC que quand j'aurai fait une New Game Plus. Donc il faut que je finisse le jeu et que je lance une New Game Plus avec cette sauvegarde. Et j'espère que je conserverai tous mes niveaux et tout. Si je conserve pas mes niveaux, je refais pas le DLC. Faut pas déconner. Je me retape pas l'intégralité du jeu juste pour pouvoir faire les DLC. Ça ira. Si je garde mes équipements et mes niveaux, c'est bon, y'a pas de problème, je les fais. Mais sinon, non. Alors, voilà la salle du boss. Ok, pas d'affrontement, rien du tout. On a Benhart, le Jugo. Bah viens, Benhart, c'est très bien. On n'aurait pas un deuxième copain, là? Non, on en a qu'un seul. Eh bah, c'est pas grave, ça sera très bien. Moi je veux bien aider les gens, y a pas de problème. Hey Benhart, tu viens avec ta grosse épée. C'est parti. Surveillant du trône, défenseur du trône. Ok. On va attendre tranquillement que Benhart pénètre dans la zone. Ça va, ça pourrait être pire. Mais genre, là, il y en a aucune qui les a touchés. Ça m'éclate. J'adore la pyromancie. Je l'ai découvert avec le boss optionnel du jeu, c'est parfait. Franchement... Faut que je fasse ça, en fait, quand il bouge pas. Regardez ça, les dégâts que je leur fais. Donc voilà, j'ai craché toutes les... Ah. Tranquillement. Aïe. En fait, j'aimerais pouvoir juste me soigner, en fait, s'il vous plaît. Merde, j'ai remis de la résine sur le truc au lieu de me soigner. Quel endive je suis. Bon allez, viens à toi. On fait un 1v1, allez viens. En fait, c'est peut-être le survivant qu'il faudrait que je me fasse parce que il a plus beaucoup de vie.
Voilà. Comme ça, il n'y en a plus qu'un. C'est pas le plus fort. Franchement, comparé au dernier boss optionnel du jeu, c'est de la rigolade. Là, je me marre. Là, je suis littéralement sur la fontaine des babons. Surtout avec l'aide d'un ami. Allez, dernier coup. Voilà. Praise the sun. Oh. 55 000 âmes quand même, hein, mine de rien, ça... Ça fait des âmes, hein. Ah, mais en plus, il reste avec moi. Il me lâche pas. Ah. Ouais. Je me disais aussi que c'était trop facile. Now, be one. Fondre dans les ténèbres. Non, mais non, c'est gentil, mais non, je n'en ferai rien. Hop là, j'attends tranquillement. Voilà, tac. On restitue quelques sorts, je sens que ça va être utile. C'est quoi ça? Oh, je vais me marrer. Ah, ça va être drôle. Wow. Ok, il y a des malédictions, D'accord, je peux pas approcher parce que sinon je suis maudit. Ok. Il y a des malédictions. Alors attends, il me faut 2 secondes. Voilà. Tac, protection d'acier, protection des malédictions, résistance aux malédictions. Voilà. Aïe. Oh putain ma vie. Dépêche. Mais pourquoi humanité? Mais quel connard, je t'ai pas utilisé une humanité, je t'ai utilisé ta putain de fiole d'astuce. Endive. Crétin d'abruti, de cocu. Andouille. Ah la vache, mais même mon personnage veut ma mort, il est complètement con. Je lui utilise un item, il utilise un autre. Hop là, ok. Alors je voulais pas faire ça là-bas, je voulais juste être un coup d'épée, mais j'ai oublié que j'avais mes sorts d'activer. Voilà, tac. Aïe. Ok, non, le dernier boss, il est assez chaud. En fait, c'est surtout les malédictions qui me gonflent. Je vais faire le combat à distance, peut-être que... Je vais rester à distance et je vais utiliser mon arc. Deuxième. Ah, il y a une autre scène si je reviens. D'accord. Malheureuse créature mort-vivante. Vous avez fait preuve de votre courage. Ouais. Il est temps pour vous de vous fondre dans les ténèbres. D'accord. Non mais pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, c'est... Ça mérite d'être clair. Et voilà, quand tu fais ça, moi je reste à distance. Hein. T'as pas cherché plus loin. Hein. Je suis assez près. Voilà.
Aïe. Ok, jamais en ligne droite avec lui. Pas s'approcher quand il cherche son truc, d'accord. Aïe. Non. Hop là. On va boire un autre. Putain, Ben Hart, il a pris cher. Putain, des coups de trucs dans ta gueule, connard. Deuxième essai, je t'en fume. Putain. Bravo Ben Hart. Et voilà l'âme de Nashandra. Et ben voilà, elle est morte elle. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je peux toujours pas revenir en arrière. J'ai 122 000 âmes, je sais pas du tout à quoi ça sert. Allez vers le trône. On a la cinématique du jeu. Cinématique de fin. C'est les géants ça? Non, c'est les golems. Ah oui, je peux pas accéder, ils vont me faire un pont. Ils s'assemblent pour me faire un pont, ils sont gentils. Vous qui linkez le feu. Vous qui portez la curse. Vous qui entretenez le feu, vous l'âme damnée, écoutez-moi. Une fois le feu entretenu, les arbres naîtront et l'histoire se répétera. D'accord. Acceptez cette destinée ou la refuser. Le choix vous appartient. Acceptez cette destinée ou la refuser. C'est-à-dire. Ce que je choisis là? J'ai un cinématique, hein, je touche à rien. La manette est posée là. Votre grâce, le trône vous attend. Pourquoi je suis humain? Ah oui, j'ai été maudit. Ce qui nous attend, nul autre que vous ne saurez le dire. Pain, 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 pain. Mais je suis enfermé dans une boule. C'est ça mon ma destinée? Parle. Oui bah tu attendras 2 secondes hein. Ben Hart de Jugo et Vanguard. Voilà. Alright les amis, on se retrouve maintenant pour un truc spécial. Je sais pas comment je me serais organisé sans l'heure du trône, voilà. Donc il paraît que là il y a une fin différente si on avait accompli tous les DLC. Donc voilà, j'ai préféré venir ici. J'ai préféré refaire tout ça. Comme ça au moins on est sûr. Alors je me souviens, voilà, ceux-là sont pas compliqués, très honnêtement. Ça devrait aller. Les créatures des DLC étaient plus dangereuses, c'est dire à quel point. Voilà. Les surveillants sont morts.
Donc ça n'a rien changé au niveau des surveillants apparemment. On récolte toujours autant d'âmes, tout va bien. Lennart Vengarl et notre ami Lunaris, le joueur, est toujours là. Ok, bon, et ben c'est parti, il n'y a plus qu'à faire celui-là. Oh merde, j'avais oublié ça, les malédictions à la con. Ils font extrêmement mal. Aïe aïe aïe, Jogo il a eu très très mal. Allez, voilà. Ok, bon celui-là n'a pas changé non plus. 81 000 âmes. Je suis à 180 000, putain. Innombrables, les monarques sont allés et venus. Un s'est noyé dans le poison, un autre a succombé aux flammes. Ok, alors il se passe quelque chose. La mémoire, ça y avait pas. Un autre encore sommeille dans un royaume de glace. Pas un seul ne s'est tenu ici à votre place. Vous qui avez conquis toute adversité, donnez-nous votre réponse. Ah mais c'est l'autre saloperie de feu. Mais je me suis toujours demandé d'où il sortait cette connerie. Bon bah je crois que là, ouais non, là il faut que je... Aïe 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 aïe, ça fait mal. Ok. Transpiration abondante. On retire un peu les dégâts de feu. Aïe aïe aïe, il m'a fait très très mal. Oh là là, je lui fais rien quoi. Comment ça se fait que je lui fais si peu de dégâts cette saloperie? Aïe 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 aïe. Mais quoi, il faut quand même pas que j'y aille. Bah si, je crois que je dois y aller à l'art. Mais non, je lui fais que dalle, c'est Lunaris qui est en train de tout faire là. Attends. Je vais essayer de faire quelques sorts, je sais pas. C'est quoi ça? D'accord, donc ça va, ça se... J'ai pas l'impression de lui faire beaucoup de dégâts. Ouais, non, je lui fais rien du tout. Autant continuer de taper avec mon épée, avec mon arc, pardon, c'est tout aussi bien. Aïe.
Ouais, bah on a très peu de fenêtres pour attaquer au corps à corps. Là, pour être honnête, sans une gemme, je sais pas comment on est censé faire. Par magie, peut-être. C'est quoi ça? Il le faisait pas ça avant. Qu'est-ce qu'il a? T'es pas content? Ah, à mon avis, il fait beaucoup plus de dégâts de feu. Waouh! Ouais, voilà. Ok, c'est bon. Ouais, il fait beaucoup plus de dégâts de feu. Il fait beaucoup plus de dégâts de feu. Ah, ben non, j'ai plus ma transpiration. J'ai plus ma transpiration abondante, voilà. C'est dégueulasse comme phrase, mais... Ouh là là, oh là 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 là. Ouais, non, non, ça fait beaucoup trop mal. Ça fait beaucoup trop mal, là par contre, faut vraiment attaquer... que quand il n'y a pas de feu. En dehors, ça fait beaucoup trop de dégâts. Aldia, érudit du péché originel. Et voilà. Bravo Lunaris. J'ai tout perdu, mais je suis patiemment resté ici. Le trône vous revient de droit. Mais la question subsiste. Que souhaitez-vous réellement? La lumière, les ténèbres, ou tout autre, ou une toute autre chose? J'ai choix... Ah, j'ai deux fins. J'ai deux fins. Alors, j'ai fait une fin, je suis allé là-dedans. On va voir ce qui se passe avec cette fin-là. Quitter le trône.
Bah écoutez, ce fut une expérience particulière. J'ai beau avoir souffert avec Dark Souls, notamment Dark Souls 2, même d'ailleurs tout le Dark Souls premier du nom aussi. Mine de rien, je dois le reconnaître, c'est une expérience qui est quand même assez unique. Je remercie toutes les personnes qui ont été chargées de programmation du jeu, toutes les personnes qui ont été citées lors du générique. Et moi, écoutez, je vais en profiter pour dire que c'est une fin de let's play. Je vous souhaite à tous une meilleure situation que la mienne. Amusez-vous. Moi, je vais me détendre. Allez, hop. Ça suffit. Allez.